Alors ça va nous permettre d'accompagner une démarche déjà engagée par la communauté de communes pour, d'une part, les économies d'énergie sur les bâtiments communaux et intercommunaux, dont une bonne partie sont constituées de logements sociaux. Deuxième action qui concerne le mode de déplacement avec des déplacements doux, avec de l'autopartage, avec du covoiturage. Et la troisième action concerne la production d'énergie avec essentiellement l'éolien et la méthanisation. Et tout cela est accompagné par ce projet Territoire Énergie Positive. Alors, Daniel Lenoir, donc maire de Villaines-la-Juhel et président de la communauté de communes du Mont des Avalons. Vous voulez dire un mot, monsieur ? Non, bah, nous, sur notre projet à Prampaille, c'est d'avoir une maison témoin dans nos vieilles bâtisses pour montrer aux personnes qu'on peut réhabiliter nos centres-bourgs, les refaire venir en essayant de réhabiliter la maison qui est sur accessibilité pour personnes handicapées ou mobilité réduite, et puis faire voir qu'on peut bien isoler pour faire des économies d'énergie.